Une fois que vous avez installé votre Bell Touch, on va passer au réglage de l'offset. Pour ce faire, il est toujours bon de préchauffer son lit chauffant à 60 degrés. Le chauffage de la buse, c'est optionnel, seulement il faudra bien penser à nettoyer la buse, donc à la faire chauffer avant si jamais il y a un peu de filament dessus. La nettoyer et retirer son filament, attendre encore un petit peu que le reste de filament continue de s'écouler, et quand elle est propre, on va pouvoir passer au réglage. Donc pour accéder à l'offset, on va dans Menu, Mouvement, Bed Level. À partir d'ici, la première étape à faire, c'est de faire donc le Z Offset. On arrive sur ce menu, on va cliquer sur cette icône. Et là, la machine fait son home. Donc elle va venir faire le home au centre du plateau. En tout cas, par rapport au capteur Bell Touch, elle va palper deux fois et elle va se mettre en position Z0. Donc c'est là qu'on va venir jongler avec moins et plus en fonction des besoins pour baisser la buse. On va utiliser une petite cale ou du papier selon ce qu'on préfère. Et puis le réglage, bah c'est tout simple en fait. On va venir baisser la buse jusqu'à ce que ça vienne gratter le papier ou la cale. Et une fois qu'on a le réglage souhaité, on clique sur Next, Next, Save. Ça nous demande d'enregistrer les valeurs de l'offset dans la mémoire de la machine. On fait OK. À partir de là, on a réglé son offset, mais c'est pas suffisant. On revient en arrière. Donc la prochaine étape, ça va être de faire une trame de mesure pour faire un mapping 3D du plateau. C'est là que la machine va voir les différents points du plateau qui sont plus ou moins hauts pour préparer la compensation. Donc on va cliquer sur ABL et on lance Start. Donc à partir de là, la machine va faire tous ses points de contrôle. Une fois que le mesh est terminé, ça nous demande également de sauvegarder les données. On fait OK. On revient en arrière. La fonction Bell Touch est activée. Les données sont stockées dans la machine. Il n'y a plus qu'à lancer les prints et on aura la compensation automatique.